Bonjour tout le monde, ici Pika Pofixé pour notre épisode de Hogwarts Legacy. On va tenter de refaire l'arène de combat, je suis pas sûr. Si, pourquoi je l'ai pas réussi, mais... Vague 2. Vague numéro 3.
va être terminé. Vague 4. Ça, ça va être un petit peu plus rough parce que on va avoir de la misère. C'est gentil à toi de passer. C'est toi qui as tiré du chef. Ah oui, je peux faire ça, c'est vrai. Yeah.
l'incendie utilisé. C'était moins pire, celle-là. Victoire. Je sais pourquoi ça ne me l'a pas donné. Pourquoi ça ne l'a pas comme marqué complété. Est-ce que je ne peux point le compléter? Peut-être que c'est ça. Parce que les deux autres, je les ai faites. J'en ai fait deux à date. Je m'en rappelle. J'en ai fait un là. Yeah, c'est pas grave. Sur le chemin, on va aller voir ce qu'il y a là. C'est gentil à toi. Tu verras. Il va y avoir un coup de chance. Je ne m'arrêterai pas. Écorce de cannelle. On dirait que l'un des gobelins trouve le ragoût un peu fade sur le camp.
et a décidé d'ajouter des écorces de cannelle pour lui donner plus de goût. Un coffre, ça. Mais rien, une caverne, ça? Peut-être dans l'eau? En ivoire fabriqué par un elfe et écharpe de laine sombre. Réveillon. Gobelin, ça. Tu aimes souffrir, n'est-ce pas? Plein d'affaires en haut. J'aimerais avoir un poste confortable à Grimcon.
Rébellion. Ceux qui s'opposent à Ranrok seront... J'ai entendu quelqu'un qui aime souffrir, n'est-ce pas? Toujours sur la défensive. Si ce sont Ranrok pouvait voir ça, la réussite à éliminer. Tu n'arrêteras jamais la vitesse de Ranrok. C'est l'élève qui utilise l'imagerie. Je vais venger ta mort. Tu me répètes. Oh my god. J'aurais jamais pu gagner. Calique, c'est stupide des fois. J'ai un papillon que je sais juste pas, il est parti où à cause du combat. Vaincrons les sorciers. Deux de moins. Je sais pas, il est où le papillon, par exemple, comme gosse. C'est-tu ça?
d'avoir un coffre à quelque part. Comme pas apparu à cause que je le suivais pas à cause qu'il y avait un combat. Je sais pas pourquoi qu'ils ont crissé un esti de pion avec des gobelins. Là. C'est une stupidité incroyable. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter. C'est quoi ça? Moi, je vais la faire téléporter que je revienne. C'est bizarre que les papillons sont disparus, puis je sais pas où ils sont où. C'est stupide, là. Certes, j'ai entendu le coffre, mais... Cet endroit a connu des jours meilleurs. Tu veux? Je vais te faire regretter de ne pas être en cours. Réveillon. Ne me facilite pas trop la tâche. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je suis pas sûr, là, je pourrais charger la game. Manuel.
checker voir. Rebellion. Ce que j'ai fait, je le referai pas, là. Je vais pas refaire les deux camps, on va le faire plus tard. Puis, ça va être ça qui est ça. Là. Ou peut-être que je pourrais le faire. Réveillon! T'as envie de mourir, c'est ça? Il y a un fucking papillon drette là. Pourquoi qu'il y aurait un papillon drette là? Les sorciers se soumettront à nous une fois la guerre terminée. Pourquoi qu'ils sont là? Terrain naturel. C'est pas ça. Allô, Mora. Pourquoi il y a un chat? Minou. En estime. J'attends. Dans les profonds des caveaux. Chercher le checkpoint. Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire? Curiosité des ben des ballons, c'est voilà. Voilà, c'est quoi ça? Ça fait long, trop longtemps que je gosse. Puis que tout ce qu'on a fait n'a aucune importance maintenant. Ok, là on est dans une nouvelle ville. On est à Feldcroft. Il y a 4 coffres de collection, 2 pages. Et une statue de Demi-Keys.
Rébellion. Mais que coffre là, en tout cas. Qui aime souffrir, n'est-ce pas? Objet d'Arsav. Kalo Omora. Peinture circulaire. Il y a un autre cave quelque part. Kiri argent impérial. Mannequin d'entraînement. Les résidents de Felcraft l'utilisent pour s'entraîner à lancer des sorts, surtout depuis les récentes attaques de gobelins. De Sébastien Palot à sa sœur Anne. Ma chère Anne, Poudlard n'est plus la même sans toi. Enfin, Sharp est toujours aussi infect. Tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu te sens mieux, Sébastien. Ça doit être la maison. L'aide d'Anne à Sébastien. Sébastien, c'est mon nécessaire de potion. Pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles, Anne. Est-ce que c'est toi, Anne? Ça n'a pas l'air en forme. Réveillon. Le puits de Felcroft. Le puits de Felcroft s'est terri il y a environ 400 ans lors d'une grande sécheresse. Malheureusement, cette sécheresse a coûté la vie à de nombreuses personnes, notamment un jeune homme dont le père ensuite refusait de parler pendant plusieurs années. La légende raconte qu'un groupe de sorciers et de sorciers bienfaisants ont utilisé une puissante magie inconnue pour régler le problème et ramener l'eau dans la région. Récupérer des pages sur les Highlands. Grand terrain naturel. J'aime ça, c'est nice. Un bon petit jeu. Défi. Cap d'explorateur des Highlands. Pas méchant, ça. Hein?
conquête impériale. T'as quasiment envoyé toutes, là. Deux coffres qui nous manquent, puis une demi-guise. Gardons l'œil ouvert. Peinture encadrée. Rebellio. Je sais pas si elle va me demi-guise ça, non, mais. Pour voir au deuxième. Trois pièces. Bonjour, enchanté. Bienvenue. Je suis Bernard Ndiaye et voici ma boutique. Est-ce que je peux vous aider? Pourquoi pas? Que me proposez-vous? Que cherchez-vous aujourd'hui? Ils vendent toutes des affaires la même, c'est incroyable. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. N'hésitez pas à revenir. Hey, j'ai 13 potions. Oui, parce que j'ai jamais fait le tournoi. En haut là, mais ça m'intéresse pas d'aller le voir. Allô, Mora. Colonne brun foncé. Il me reste une maison, elle doit être dedans, celle-là. Là. Elle doit être en dedans, là. Allô, Mora. Y a-t-il une demi-guise? Je me demande qui y vit. Rebellion. Ok, où? Et où la demi-guise, là? J'ai toutes les maisons. Coffre là-bas et tout. Il y a peut-être une autre maison, mais je la vois pas. C'est où la Rebellion. Pourquoi je la vois pas?
un château, mais je pense pas que ce soit ça. C'est gentil à toi de passer. Non. Ok. Rébellion. Je suis avec. Réveillon. Suis-je aveugle? Un intrus! Qu'est-ce que c'est? C'est une boule? C'est des très grosses vaches. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Moi, tu me dis qu'elle est à l'extérieur, je sais pas. Statue de demi-guise. Feldcroft. Mais où? Et où? C'est où et où? Pas des maisons, en tout cas. On parle de tes maisons. Ils disent qu'il est comme dans la maison que j'ai été, mais je l'ai pas vu. Ça va, moi. Tu veux que ça soit la nuit pour qu'elle passe? Je pense que c'est celle-là, ici. Non, c'est sa maison de... Non, ok, non. Rébellion. J'ai envie de mourir, c'est ça? C'est pas vraiment un boss, ça. C'est pas celle-là non plus. Pas 10 000 maisons là. Peut-être que c'est elle.
non plus. Je peux pas avoir une maison que j'ai pas faite. Peut-être la première, ça. Et tu étais là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Je suis pas venu. Révélio. Oui, je suis venu. Mais j'ai juste pas vu. J'ai pas pensé de la ramasser. Tu es voilà. À moi à présent, demi-guise. Voilà, ramasser, t'es. J'aime pas tant les. Qu'est-ce qui cap? Plein d'affaires, mais je le fais pas tout de suite. Je le fais pas tout de suite parce que je veux explorer avant. Je soupçonne que je peux monter dans la montagne là. Ou pas, je sais pas. Je peux-tu monter dans la montagne? C'est quelque chose qu'on peut faire? Ça existe pas, ça. Ok. Maintenant, on va aller voir notre ami, tout simplement. Faire sa quest. En fait, c'est une quête principale. On va attendre. Voir ce qu'il y a de bon à nous dire. Te voilà. Sebastian Palo. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien Aurore. Mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner... Je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec une nouvelle amie de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Dans l'ombre du domaine. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Ça va, tu sais. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Hey. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Super. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien, il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne? Je ne voulais pas t'importuner. Ce n'est pas le cas.
Vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors d'un duel en cours de défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Ekat, c'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrok. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. J'allais justement voir Anne. Vous venez de la maison? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède? Ah, on dirait Sébastien. Vous pensiez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Ok, c'est spécial ça. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaie simplement de faire au mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle ont l'air convaincus qu'il n'y a rien à faire qui puisse l'aider. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Okay. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrok. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tout, on va arrêter l'épisode ici. On continue ça au prochain épisode. Je vous dis merci d'avoir été à tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine.